suis toujours impressionné d'avoir cette passion tout à fait neuve, là, tout à fait vierge ou presque, ça, de gens comme ça qui débutent et qui ont de l'ambition, à juste titre d'ailleurs, puisque le monde va leur appartenir. Ça donne envie d'écrire et de continuer, parce que c'est une matière à la chanson qui est merveilleuse. La chanson, il faut la prendre de façon très humble, parce que c'est extrêmement difficile à réussir, donc on est toujours au service de la chanson. Et quand tu vas te mettre à chanter, c'est là que commence le jugement. Donc, rien n'est plus important que la chanson, c'est ce qu'on leur dit ici, et c'est le message que je veux faire passer. Saisie par la foule, elle n'a pas peur du tonnerre du coup, elle s'en fout. Elle n'a pas peur de déplaire du tout, saisie par la foule. Ces rencontres d'Astafor, au départ, c'était comme le schéma classique des chanteurs qui commencent à être connus et à qui on adresse plein de courriers. Donc moi, je recevais énormément de courriers. J'ai fait ces quatre chansons, dites-moi ce que ça vaut, etc. Bon, moi, je me suis dit que ces gens-là, il fallait leur donner une vraie réponse quand même, c'est-à-dire que, non pas individuelle, mais peut-être plus collective, en faisant qu'ils se retrouvent quelque part. Et l'idée est venue comme ça, j'étais conseiller municipal, et puis on avait des idées sur la rénovation de l'école où j'avais donc appris à lire et à écrire, et je me suis dit que ça serait peut-être l'endroit pour recommencer quelque chose de formateur. Alors donc, bonsoir, jeunes filles, jeunes gens, bienvenue en Astafor. Je suis très heureux, je suis Jean Bonnefond, donc le président de l'association Voix du Sud, très heureux de vous accueillir, parce que en plus, la session que nous allons... que vous allez vivre est exceptionnel. Et à ce titre-là, vous avez de la chance d'être pendant 10 jours exclusivement concentré sur l'écriture des chansons. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à faire des chansons, vous êtes ici pour écrire des chansons. Et puis, moi, je vous retrouverai dans quelques jours pour écouter ce que vous aurez composé. Nous allons sélectionner une quinzaine de chansons pour faire un spectacle. Vous en aurez écrit une quarantaine. Les rencontres, elles sont nées de la volonté de Francis Cabrel. C'était après l'album Sarbacane. Et c'est là que lui est venue l'idée, on va créer une association pour rompre des solitudes artistiques. C'est-à-dire, quand on écrit des chansons, on est tout seul, toute seule, devant son piano, sa guitare, dans sa chambre, et on écrit, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas, on fait écouter. Bon. Tandis que là, on se met ensemble avec des gens qui ont le même problème, la même envie, le même désir d'écrire, et puis on écrit ensemble. Donc on a rompu cette espèce de solitude artistique, ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne va pas revenir écrire tout seul chez soi, mais ce n'est plus pareil. Moi, je m'appelle Vanessa, je viens du Québec. Mon parcours musical, j'ai commencé toute jeune comme interprète à la base. J'ai fait énormément de concours, des spectacles et tout ça. J'ai étudié en chanson et j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 14 ans. Puis ensuite, j'ai fait The Voice. Tu me tournes le dos, je te regarde partir loin devant, figé entre mes larmes, je cours après mon souffle, paralysé, paralysé. Je ne sais plus comment m'ancrer dans le présent, j'ai tout perdu. Sur cette sélection, nous avons reçu 54 candidatures, on en a sélectionné 16. Les rencontres, en fait, il y a deux phases. Il y a une phase qui est consacrée à l'écriture, à la création pendant 6 jours. Et au 6e jour, en fait, on réunit un jury constitué de professionnels et qui est présidé par Francis. Et ce jury vient écouter les 25-30 chansons. Et nous, on leur demande d'en sélectionner 15 dans une logique à la fois humaine, c'est-à-dire que tout le monde soit présent sur scène, et de spectacle, de diversité, parce qu'on a un public qui est très, très varié. Et suite à cette sélection, pendant 3 jours, on approfondit le travail scénique et on présente le spectacle. Moi, je m'appelle Antoine. Mon nom de scène, c'est Igitt. J'écris des chansons depuis que je suis tout petit. Et je viens d'une famille qui n'est pas du tout musicienne à la base. Donc ça a mis un peu de temps avant que j'arrive dans ce sérail-là. Et puis un jour, ils m'ont appelé pour faire la voix.
Là, moi, bizarrement, mon travail, c'est plutôt de faire des chansons pour les autres que des chansons pour moi. C'est joli, non? Les feuilles brunes sur le gazon. C'est l'automne, maman. Rien d'autre qu'une saison. C'est joli, non? Le sable humide et vierge d'ombre. Ce que je suis venu chercher à Stafford, c'est des rencontres, principalement parce que moi je suis un grand curieux de la vie. Et je me nourris de ça en fait. Moi je me nourris des gens, je me nourris de tout ce qui m'entoure pour le re-raconter dans mes chansons ou dans mes écrits en général. Je savais qu'il allait y avoir pas mal de mises en danger, beaucoup de culots, parce que ici c'est vraiment une histoire de culot de mettre une quinzaine de personnes qui ont tous l'habitude d'être un peu capitaine de leur bateau et puis de se dire que dans 10 jours on monte un répertoire et on le joue dans 2 salles pleines. Et puis mélangez-vous et bon courage. Tu chantes pour couvrir le bruit. Tu chantes dans la vie. Moi, j'écris pas depuis très longtemps. J'ai beaucoup de textes en anglais, déjà parce que j'aimais bien la sonorité, mais aussi parce que j'assumais pas vraiment le fait de chanter en français. J'avais pas envie de chanter mes créations en français. Parce que, je sais pas, peut-être que j'avais peur d'une image qu'on me donne ou qu'on dise « Ah, regarde son texte, il est nul » ou je sais pas. Je signe avec Amabel, où je vais chanter que en français. Et donc je dois écrire, c'est la parfaite occasion pour trouver des idées et découvrir plein d'univers. Donc à Stafford, beaucoup d'artistes de mon réseau, entre guillemets, m'en parlent depuis assez longtemps et toujours des échos très positifs. Mais moi, la coécriture, c'est pas trop mon truc, j'avais un peu peur et... Et là, je me suis interrogé, j'ai fait pourquoi pas. Et ça m'ouvrira de nouvelles portes, et je pense. Et ça a un peu chamboulé ma façon d'écrire aussi. Ça va sans doute un peu me repousser un peu dans mes retranchements. Et les contraintes, c'est toujours bon pour renouveler son univers, son écriture, s'enrichir un peu aussi des façons de faire des autres. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de. Tantôt, il y en a qui ont parlé un peu de leur processus. Si on peut faire un tour de table vite, juste savoir est-ce que c'est musique avant, est-ce que c'est en même temps, est-ce que c'est texte. Très bien. Comme on va collaborer, je pense que ce serait le fun de savoir les processus de chacun. Je pars du texte et surtout de l'angle de l'idée. Voilà, c'est en fait là où je passe le plus de temps, c'est chercher une bonne idée. Ça peut prendre vraiment du temps. Et une fois que j'ai cette bonne idée, je réfléchis à l'émotion, à la tonalité de la chose. Et à partir de là, en fait, je passe par des compositeurs plutôt parce que moi, je suis pas assez bon pour composer les propres choses. Je donne ce texte-là en disant voilà comment la musique peut servir au mieux ce qui se raconte. Moi, pour le coup, c'est différent parce que j'ai du mal à me dire bon, il faut que j'écrive. J'arrive pas, ça part toujours d'une situation, d'un moment, même si je suis sur ma trottinette, j'ai une mélodie qui me vient en tête tout à coup, il faut que je m'arrête. J'arrive pas juste à me dire, bon, aujourd'hui, il faut que j'écrive. Vraiment, c'est une situation, un sentiment, quelque chose qui s'est produit, quelque chose que je vois. Et ça me donne l'inspiration et la mélodie, elle vient instantanément en même temps qu'écrire. Le module écriture, on l'appelle comme ça parce qu'on démarre les rencontres avec une matinée consacrée à ça, qui dure 4 heures et qui sert un petit peu de déclencheur. L'idée, c'est un échange sur les savoir-faire de chacun. On fait une synthèse un petit peu de tout ça et voir si tout le monde a les mêmes outils quoi, pour pouvoir évoluer sur 10 jours, toujours avec ce côté en état d'urgence un petit peu. Et donner quelques clés uniquement sur une sorte de méthodologie tout en respectant la singularité d'écriture de chacun. C'est plus un échange pour voir si tout le monde a les notions de structure, d'angle sur une chanson, etc. Suite à ça, on termine avec des petits jeux d'écriture pour créer des accroches verbales. C'est donc des déclencheurs pour une chanson. C'est-à-dire, je vais distribuer, là vous avez des journaux à disposition. Vous pouvez en prendre un ou deux, ou trois, comme vous voulez. Ouais. Et l'idée, donc c'est la PQR volontairement. Vous en notez autant que vous voulez. D'accord. C'est des accroches. Alors c'est soit, voilà, on regarde l'état d'urgence, pourquoi pas, ou alors je mélange 2 titres, etc. Je fais le tour comme ça, et vous voyez ensemble qu'est-ce qui peut être pertinent. Ok. L'idée, c'est de déclencher des accroches à partir des titres de journaux. Les mauvaises habitudes. Ah, bien. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, très bien.
Voilà. Mais oui, déguster des pruneaux? Ouais. Pourquoi pas? Ah. Les lendemains au Doliprane, même en plein jour, t'es la plus belle, ma nuit américaine. Donc là, c'est ma nuit américaine, c'est ça? Le matin Doliprane. Non, mais Doliprane, c'est un bon titre. Ouais. Chaleur cacophonique, sueur et houblon, comptoir philosophique, les grands airs entêtement, aux nuits qui façonnent. Il faut 4 groupes de 3, de toute façon, et 2 binômes. Et on se met au service d'une accroche que vous choisissez, ok? Si, par exemple, je sais pas si quelqu'un dit ouais, un morceau de beauté, alors si ça intéresse quelqu'un, moi aussi je veux bien, mais hop, je note le thème et le groupe, ok? Et ça déclenchera donc une création cet après-midi. La première journée de stage, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que du coup, on a créé des chansons tous, mais à partir de mots qu'on n'avait pas forcément choisis. C'était dans le cadre d'exercice, en nous disant bah, c'est là-dessus que vous allez plancher. Et alors là, ce qui est assez fou, c'est que tout de suite, on est mis en situation de se détacher de sa propre musique, d'aller composer pour un autre, d'écrire pour un autre ou de chanter pour un autre. Et ça nous met complètement, ça nous décale complètement de notre style, de notre univers, et donc ça nous fait tout de suite découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc, pour la boucle. Alors on y va, tu commences, allez. Si une putain d'exister, pas la sensation d'égalité. Je suis le fils de nulle part, tu peux me traiter de bâtard. Mais si je l'ai bien le bain, et que je me tiens sage, je n'ai bien qu'un second. Mais je suis le beau-fils de mon père, le mari de voilà, ma mère. Il faut bien qu'on mette les... Faut que tu te les écrives, oui, toi. Oui, oui. Il faut que tu te les écrives pour bien les lire, parce que j'écris mal. Oui, t'inquiète. Mais t'inquiète, mais je suis... Pas okay. Ça, par contre, on enlève. Je viens pas du tout de la chanson, je viens plus de la musique électronique et du coup, la MAO, au final, c'est l'instrument de ces musiques. On m'avait déjà parlé d'Astafor, mais en fait, quand BMG m'ont proposé, moi, je comprenais pas ce que j'allais pouvoir faire ici, en fait. Ça allait être quoi mon rôle, quoi. J'allais pas arriver avec une guitare sèche et écrire des textes parce que c'est pas ce que je fais. Je pense que j'aimerais bien et ça m'intéresse de les voir tous écrire des chansons aussi. Et j'ai dit oui, mais parce qu'on me disait, tu vas voir, c'est une bonne expérience, quoi. Le premier jour, je me suis retrouvé avec Abel. Je sais pas comment le qualifier, mais il a un truc super nonchalant et touchant, un peu timide. Et il chante trop bien, il écrit trop bien, je trouve. Et un bassiste Astaforte qui s'appelle Mayu, qui est originaire du Brésil. Et ça s'est passé assez naturellement avec Mayu. Au final, on a fait la compo très vite. Il s'occupait de la basse et moi, j'ai programmé une rythmique. Après, on a trouvé l'harmo ensemble et au final, on s'est vite retrouvé avec un machin qui nous est bougé un peu, quoi. Et Abel, pendant ce temps, il avait commencé à écrire. Il avait juste une petite accroche de texte qu'on avait trouvé le matin. Je lui ai exporté un petit MP3, il est parti dans sa chambre écrire, il est revenu et ça s'est fait tout seul. Quoi. Moi, je serais d'avis, comme on a déjà une idée un peu de, pas forcément de couleur, mais d'ambiance, de commencer par l'ambiance. Okay. Parce qu'en fait, si je commence par le texte, ça, c'est un peu bizarre. On peut faire, ouais. Elle me rattrape, c'est une course infinie. Chaque nuit, elle me retrouve. Ça marche pas comme ça. À la première lueur, je mets les voiles et je reprends la route. J'avale les kilomètres autour, tout oublier que je deviens toujours un peu plus fou. Allez, à la première lueur.
première expérience de travail en groupe, c'était assez compliqué, ça a été long. Donc moi je me suis retrouvé avec Johanna, qui est une autre stagiaire, et on devait écrire une chanson. Clairement, nous, pendant 2h30, on a pataugé complètement. On n'a absolument rien fait pendant 2h30, c'était une galère totale, on comprenait pas ce que voulait l'autre, on comprenait pas, etc. Parce qu'on essayait trop de se mettre à la place de l'autre, donc l'expérience, elle s'est avérée très compliquée sur le coup. On a failli abandonner et au final, au bout de 2-3 heures, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on savait faire le mieux. Donc voilà, j'ai écrit des couplets, elle a écrit des refrains. On a fait un truc simple et maintenant on est content. Contre toute attente, j'ai appris à apprécier, à penser, à planer, à persévérer. Quand on me le permettait, quand on me le promettait, que la vie, quelle qu'elle soit, serait comme un cours d'essai. Il y a un côté mélancolique hein, quand même, hein, de la ouais. chanson. Ouais, ouais. C'est tristoun, hein. Ouais, bon, vraiment. Ouais. Bah, ça peut pas. Je pense pas que ce soit quelque chose de forcément négatif, hein, mais. On peut tourner ça bien, hein, faut juste. Oui, on sera triste, non. On te le dira pas, on se plaindra discrètement, mais on n'y croira pas. Faut que tu nous dises tes plans, faut que tu nous en parles, viens juste on chine ensemble. Oui, on sait que t'es sage, mais tu boucleras tes bagages plus tard. Ce soir, les barges dirigeront les bails, alors cherche pas, y'a plus qu'à t'aimer au bar. On piquera la devant du bar. Peu importe, ce soir, on s'amuse car c'est ma dernière nuit. J'ai plié mes affaires pas passées, mes chemises, dernière nuit. J'ai compté mes chimères rangées dans ma valise, dernière nuit. Je passerai boire un verre pour faire une dernière bise, dernière nuit. C'est ma dernière nuit. Quand il y a vraiment une situation de blocage sur les textes, et nous on a un petit système aussi, on appelle ça donc les haïkus, avec ces petits poèmes japonais en trois phrases. On peut extraire d'un premier couplet un mot très très fort, ou très représentatif de leur production, quoi. Et on fait un petit haïku, c'est-à-dire on isole un mot et c'est un mini-poème en trois phrases. Ils savent pas trop où ça va les mener, mais ça débloque, ça amène une autre sensation, une autre sonorité, et souvent ils se disent « Ah ouais, ça y est, j'ai ma première phrase pour un deuxième couplet, par exemple. » Mon père, pendant toute mon enfance, m'a saoulé avec les haïkus. Donc là, je connaissais un peu l'exercice. Mais je sais pas, peut-être que je me place un peu en observateur, mais ça m'intéresse vachement en fait, cette discipline. Et le voir faire et voir que finalement c'est pas forcément mystique, il y a des rouages à ça et des déclencheurs à ça, bah c'est très, très intéressant. C'est cool aussi de pouvoir dire « Ah non, pas cette phrase, ouais, change ce mot », alors que moi j'écrirais jamais un texte en entier, mais je peux me le permettre quand on est dans un échange, quoi. La toute première collaboration a été assez laborieuse. C'était trop un stress de devoir produire si rapidement là, parce que moi j'ai pas l'habitude de ça. Je produis très peu et je suis très lente. J'ai une créativité très oisive. Je suis là pendant trois quarts d'heure et j'écris un mot tous les trois quarts d'heure. Ça finit par faire une chanson un jour, mais c'est voilà. Et au final, je constate que je suis capable d'écrire des choses rapidement et de convoquer l'inspi s'il faut, quand il faut. Avec Johanna, on s'est rencontrés dans le bus, donc avant même d'arriver ici. Et on se retrouve dans la même chambre. C'est une rencontre assez dingue parce que c'était immédiat. La deuxième nuit, j'ai pas du tout réussi à dormir. Et je me suis dit, il faut qu'on écrive sur ce sentiment de se connaître déjà, alors qu'on se connaît pas, tu vois. Avec Johanna, c'est un peu ce qui se passe. Et c'était évident de faire une chanson là-dessus. Oh putain. C'est beau, c'est un sur le dos, genre très affirmé, quoi. Le cartable sur le dos. Cœur battant dans ma poitrine, un peu de caractère. Le cartable sur le dos. Le cartable sur le dos. Ouais. Et donc après, on enchaînerait sur le. On se connaît d'ailleurs, si on veut, c'est ouvert, si on veut, ouais, c'est. Enfin, c'est à l'envers là, mais. Ouais. Mais en gros, on enchaîne là-dessus, ce couplet-là. Et après, il nous faut. On fait le refrain. On se connaît avec soit autre chose, soit ça. Et ensuite, il faut enchaîner sur un pont. Et un refrain. Donc là, il faut un pont. Donc je sais pas, est-ce qu'on change de... Ce qui m'a amenée à Stafford, c'est... en fait, j'avais besoin, moi, déjà, d'être sûre
de ma direction, de savoir où je voulais aller. Je voulais absolument me perfectionner en écriture parce que quand bien même ma carrière d'artiste en tant que chanteuse ne fonctionnerait pas, j'aime écrire et j'aime écrire pour les autres. Alors j'avais envie de me perfectionner vraiment dans l'écriture, d'apprendre à collaborer parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait. Et finalement, ma vision du travail a changé dans le sens où t'apprends à aussi accepter que les autres ont des idées et que bah, la tienne, elle est peut-être mauvaise ou du moins, elle est peut-être pas ce qu'il faut à ce moment-là. Et au début, c'est un peu ok, d'accord, bon, l'ego il prend un petit coup et puis après, ça coule tout seul et on se rend compte que c'est le partage le plus important. 1, 2, 3, couplet. On se connaît pas même, mais c'est pas un problème. T'as pas besoin de te présenter, je connais déjà ton name. On se connaît d'ailleurs, si on veut c'est ouvert. Si on veut se lier, sinon on peut aussi se taire. On se connaît pourtant, pas de souvenirs ensemble. Pas trop de différence, c'est que la guille la boue dedans. Ouais, il en manquait un, on vient avoir faim. On se connaît, on se connaît, on se connaît à peine. On se connaît, on se connaît déjà. On se connaît, on se connaît, on se connaît à peine. On se connaît, on se connaît, on se connaît déjà. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise chanson? Les Anglais ils disent une bonne chanson, c'est une musique et un texte exactement comme une mauvaise chanson. Donc ça veut dire que c'est très compliqué. D'ailleurs, on n'en parle pas ici parce que c'est très très compliqué de savoir ce que c'est qu'une bonne chanson. Dans les petits trucs du métier, par exemple, quand il n'y a pas encore de mots, les compositeurs ont tendance à faire un assemblage de mots qu'on appelle le yaourt et qui est souvent un assemblage de mots anglais. Comme quand on rigole, la chanson en sa douche, Once Again, You Gonna Fall, voilà. Ils font tous ça parce qu'on a l'impression tout de suite que la chanson sonne et quand ils donnent ça à un auteur qui doit les mettre en français, on se rend compte que les sonorités sont tellement pas pareilles que même si on respecte le nombre de pieds, c'est pas la même chanson. En fait, ce qu'il faut faire quand on fait une chanson française, c'est faire du la-la-la, parce que le la-la-la, ça sonne comme le français. Et quand on fait la-la-la-la-la, même quand il n'y a pas de mots, et quand on met des mots, c'est la même chanson. Alors que quand on fait Once Again a Fall, et quand on met un mot, c'est plus la même chanson. Et ça crée déception, parce que leur chanson qui ressemblait à un tube anglophone, ça ressemble à une chanson française moyenne. Dans chacune des pièces. Dans chacune, oui, ça marche. Parce ouais. Que ce qui me buguait, là, c'est qu'on coupait l'idée, on faisait dans toutes. Ouais, les toutes pièces au plancher, ça me gossait. Ouais. Dans chaque. Dans chacune? Ouais. Ah, c'est ça, dans chacune. Chacune des pièces au plancher. Ouais. Et là, je vais faire plus puis, long. Puis, je te suggère peut-être de faire une fois sur deux, tout est dit. Puis, à l'autre fois, tout est dit. Ah, OK. Le ça ferait que ça alterner, varié, autrement dit, entre ta version puis ma version. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Juste ça le varierait, je suis d'accord. Ouais. Ça ferait que le premier est là, tout est dit, puis le deuxième, ouais. Tout est dit. Oui, oui, oui. Au Québec, le français, c'est vraiment, on y tient, c'est très précieux parce qu'on se sent un peu en danger, même si le français n'est pas en danger au Québec, mais c'est dans nos approches, c'est vraiment important. Puis les qualités des textes sont aussi très souvent critiquées, si je peux dire, dans les concours ou on y accorde beaucoup d'importance. Je pense que la façon dont on traite le français au Québec, évidemment, c'est différent. Je pense qu'au Québec, on image beaucoup, même quand on parle. Ici, les phrases sont très évocatrices. On dit peu en disant tout. Puis peut-être que nous, on utilise les images pour dire tout en disant peu. Je pense qu'elle est là, la différence. Tu me le fais? Oui. Je trouve que vous avez du talent. Ah, attends, non, je vais passer avec. Talent. Reprends. Ouais, okay. Je te fais l'oreille, tu reprends. On fera un playback, là. Je vais faire des compromis. Ou même juste une première partie. Tant qu'on me dit, de temps en temps, je trouve que vous avez du talent. Ça viendra, mais avant, assieds-toi. Je trouve ça quand même confrontant ici que les ateliers soient faits de façon à ce qu'on sépare les trois chapeaux. Donc l'auteur, le compositeur, l'interprète, c'est la première fois que ça m'arrive de juste porter un rôle ou de faire attention pour ne pas rentrer dans le rôle de l'autre parce qu'on est les trois. Ben, tu sais, moi, je suis les trois aussi. Mais je trouve ça intéressant en même temps de mettre ses paroles sur une musique qui n'est pas la tienne, qui fait aussi que tu adaptes ton écriture à l'interlocuteur qui n'est pas toi. Donc, je trouve que ça crée quelque chose de très riche. T'aurais pas 100 balles à me prêter? Je veux bien faire des compromis, j'ai pas bouffé depuis lundi. Si tu m'invites juste une fois, je te le rendrai dans un mois. Mais pour l'heure, à la bonne heure, j'attends. Ça viendra.
ça viendra, ça viendra, ça viendra, ça c'est toi. Il m'a embarqué. Il m'a embarqué, il m'a embarqué. C'est pas fini, pardon, je suis désolé. On recommence à la fin. Ça viendra, ça viendra. 4. Ça viendra, ça viendra. Mais avant, assieds-toi. La langue française, elle a une espèce de particularité, contrairement à l'anglais, qui fait qu'au Québec comme en France, on vit un peu la même difficulté. L'anglais, ça flow, c'est a schnick, a feel a little wire tough, baby. Tu sais, ça marche. Tout ce que tu vas dire en anglais, on dirait que tu peux pondre la poésie complètement vide, et puis quelqu'un qui comprend pas ou qui porte pas attention aux paroles va faire ah ouais, ça groove. En français, la langue est moins naturelle, elle est beaucoup plus gutturale, les consonnes sont plus percussives, les accents toniques sont pas aux mêmes endroits, ça change l'approche mélodique. Et ça fait aussi qu'on a une espèce d'attention plus importante à apporter, je pense, au texte. Quand je ne pourrais que te voir dans moi et te murmurer que je t'aime, rappelle-toi que ce sont les détours qui te rendront la route belle. Quand je ne pourrai que te voir d'en haut et te murmurer que je t'aime, rappelle-toi que mon amour n'est pas seulement qu'un poème. La langue française est assez bienvenue. Il y a toutes ces modes imposées par le métier qui font chanter les gens en moitié en anglais. Bon, moi, je suis vraiment hostile à ça. N'importe qui peut chanter en anglais, à peu près n'importe quoi. C'est une langue qui est très musicale. Moi, j'adore, mais je chante pas en anglais, parce que, ni en espagnol. Pourtant, c'est vrai que c'est très beau, l'espagnol aussi. Mais il y a une notion de commerce derrière qui est assez détestable. C'est-à-dire qu'on essaie de séduire la planète. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut viser en premier. Il faut d'abord séduire les gens de sa rue, les gens de son quartier, qui, eux, comprennent pas tous l'anglais. Moi, j'ai un format de chanson. Voilà, je m'y tiens depuis 40 ans. Ça veut pas dire que ce soit applicable, ni la vérité, ni rien. Moi, je pars d'une petite musique que je fais tourner sur ma guitare ou sur le piano pendant... je commence à m'abrutir. Une fois qu'elle est bien là, j'essaie de voir ce que je pourrais dire dessus, mais c'est toujours les notes qui décident. J'ai beau disséquer mon cœur, je ne vois pas l'ombre d'un regret. J'aimerais voir encore, une fois. Alors, j'ai beau disséquer mon cœur, vas-y. Je ne vois pas l'ombre d'un regret. J'aimerais pouvoir encore une fois regarder, une fois regarder la mort de près. C'est quoi la note alors? La dernière, regardez. Une chanson, c'est un message pour moi. Donc je vais commencer par trouver ce que j'ai envie de dire et pourquoi. J'ai ensuite les mots qui viennent comme une mosaïque porter ce message. Et ensuite, je vais essayer d'optimiser en fait la musicalité présente dans les mots de base en y mettant la mélodie. Cet endroit, il est vraiment particulier parce que pendant 25 ans, il y a eu des générations d'artistes qui ont écrit des chansons ici, et les arbres portent en eux la vibration en fait des musiciens qui ont joué des chansons, de l'humeur, de l'ambiance. Et donc du coup, voilà ce qu'on ressent quand on est ici. Est-ce que ça vaut vraiment la peine viser la lune ou lance-pierre pour te plaire? J'ai bâti un masque, des barrières. Est-ce que tu m'aimerais à découvrir? Est-ce que tu m'aimerais à découvrir? Découvert. T'avais changé la mélodie là, sur la deuxième dernière fois. Non. Je pense qu'on va la baisser d'un ton, hein, quand même, parce que c'est un peu trop, là. Découvert. T'avais fait ça tout à l'heure. Découvert. Voilà, ça, c'était hyper joli. On va se baisser, hein. Mais il va falloir que je décale tout, du coup. Ouais. Sous ma seconde peau. Faut vraiment que tu la chantes, hein. Y'a pas trop de questions là-dessus. Non. Mais bien sûr que si, tu vois bien. Pour le refrain, ça va, mais... Comme tu veux. Faut
franchement, c'est tellement mieux. C'est pas un truc qui fait pour être un duo. Il y a un truc hyper, personnel. Je suis venu la première fois à Stafford avec le chanteur Kali, dont je suis un des musiciens. C'était en 2005. Mais il était parrain et moi, j'étais dans ses valises, en fait. Quelques années après, on m'a proposé de participer aux rencontres. Je travaille sur la musique, donc j'essaie d'apporter un regard sur la composition musicale, donc dès les premiers instants de naissance d'une chanson, et sur les arrangements musicaux, c'est-à-dire donc sur l'habillage, avec également un côté logistique sur le spectacle, vu que je joue avec les artistes. Typiquement, dans la première phase du stage, qui est une phase de composition, les artistes s'isolent dans des salles. Et donc, nous, les intervenants, on papillonne un peu de pièce en pièce, comme ça, on ouvre la porte, on essaie de voir déjà si on est bienvenu. On écoute, et puis quand on sent que c'est le moment, on essaie de dire « Ouais, ok, ça c'est formidable, mais est-ce que tu penses pas que ton pont, on pourrait essayer telle chose ?» Et puis l'idée est acceptée ou pas. Et ensuite, le soir, on a une restitution, où tous les artistes présentent leur travail du jour. Ouais, surtout que j'ai quand même pas l'habitude d'être à cette place-là. Mmh. Et alors, et moi, alors, je suis vraiment dans un type de répertoire, là. C'est vraiment l'inverse de ce que je suis. Mais ça, c'est ça qui est cool, hein. Mais c'est un peu vertigineux, mais c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a chanté Les Paradis Artificiels, ou c'est, oui, ou c'est moi qui les connais? En plus, moi, ce que j'aime bien avec le mot artificiel, c'est que ça donne quand même un bon sens de lecture pour le... Ouais, pour la chanson, quoi. Pour la chanson, enfin, c'est-à-dire que de suite, le type, il comprend qu'on est sur un truc, justement, on parlait de l'aseptisé. Mais oui, que je suis con, c'est Baudelaire. Je me disais, tiens, c'est, mais voilà, c'est mais littéral. Il y a un truc dans la vie. Tu vois, ça, c'est hommage à Baudelaire, c'est différent. Les intervenants, ouais. Je pense que ça a été fait de manière très intelligente, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous très complémentaires. Il y a Julien qui est là, vraiment un peu carré. Heureusement qu'il est là, parce qu'il n'y avait que des daguerres, ce serait juste, on serait tous avec des crêtes. Il y a des chiens dans la cour, là. Et s'il y avait que Julien, on serait un peu bon, ok, on a un peu envie de rigoler, quoi. Donc c'est bien, et Pierre Do, pareil. Donc ils sont tous hyper complémentaires. Et je pense que, sous leur faux air de pas y toucher, justement, je pense qu'ils sont très à l'écoute aussi de voir s'il n'y a pas des gens qui sont laissés sur le carreau. Et ils sont pas du tout interventionnistes dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils essayent juste de nous aider à sublimer les idées de départ sans avoir le monopole du bon goût, sans mettre un tampon, ça c'est bien, c'est pas bien. Ce don qui nous poursuit, ce curieux reflet. Non. Ce temps qui nous poursuit et ce curieux reflet. Non, sans ré. Ce temps qui nous poursuit, ce curieux reflet. Ouais, c'est pas mal. Tu fais des haïkus, toi, un petit peu, non? Hein? Tu fais des haïkus? Ah, moi, je fais des haïkus. Je suis hyper alors, bon à haïkus et en kawa, la fin d'haïkus, ouais. Ce temps qui nous poursuit, ce curieux reflet, c'est ça? Voilà. 1, 2, 3. Miroir, mon beau, miroir. Ah, putain, miroir. Ouais. Faut que j'échappe, je vais y arriver, mais faut que j'échappe. Miroir, mon beau, miroir. Miroir, mon beau, miroir, dis-moi toi, qui moi, j'étais. Ah, du coup, faut que t'attendes aussi. Allez. Faut que t'attendes du coup avant ta deuxième phrase. Wow. Miroir mon beau miroir, chantier, miroir quoi. Mon beau miroir, montre-moi qui je suis, montre-moi qui ouais, j'étais. Ouais, ok, d'accord. Quand j'aurai 50 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'aurai 50 ans, mm. Que j'aille, enfin... Ah, ça c'est intéressant, ouais. C'est l'idée, c'est d'avoir le croisement des deux, quoi. Et qu'ils se rejoignent ensuite, miroir, que ça fasse un truc... 1, 2, 3. Miroir mon beau miroir, miroir mon beau miroir, montre-moi qui j'étais, dis-moi qui je serai. Quand j'avais 20 ans, quand j'aurai 50 ans, et que mon cœur t'engage, que j'aurai vu l'après. Miroir mon beau miroir, ah putain. Moi je dis quoi en fait, ouais. Toi, voilà, tu dis sa deuxième partie à lui. Toi tu dis ça, la deuxième fois. Le plus difficile dans ce stage, ben, c'est quand même des journées assez intenses. Et puis de se rappeler de tout, parce que chaque soir il y a une restitution, donc il faut se rappeler des paroles qu'on nous a fait chanter, il faut se rappeler de la musique qu'on a composée pour un autre, et il faut se rappeler de beaucoup de choses et faut faire fonctionner sa mémoire. Justement, avant de venir à Stafford, j'avais un petit peu une lassitude. Et là, du coup, ben, ça me redonne l'étincelle pour composer à nouveau. Et le fait que ça soit rapide, les compositions, ça nous empêche aussi de trop réfléchir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut composer. 1, 2, 3. Miroir, mon beau miroir, montre-moi qui j'étais. Et quand j'avais 20 ans et que mon cœur tanguait, à la vue de ces filles à peine sorties du nid qui m'appellent monsieur quand elles me croisent aujourd'hui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je serai. Quand j'aurai 50 ans, que j'aurai vu l'après. Quand j'aurai vu ce monde qui ne me connaît pas, vu que la terre en serais-je encore même endroit mieux.
quand je serai, montre-moi qui je suis. On a remarqué, et c'est un petit peu la règle des rencontres, que l'urgence est parfois bonne conseillère. Voilà, on s'y met, on est obligé, on papillonne pas, on pense qu'à ça, on se lève, on pense chanson, on déjeune, on dîne, on pense chanson, on va se coucher, on pense chanson. Alors les chansons qui sont écrites ici, si elles sont enregistrées après, il y en a eu beaucoup, souvent elles sont quand même retravaillées. Il y a, disons, la structure, l'idée, le climat général, et souvent ben, les artistes reviennent dessus pour donner un petit peu de relief à telle ou telle phrase, mais l'essentiel est quand même fait en quelques jours et en urgence. Alors je te pose ça là et t'en fais ce que tu veux, t'en veux pas, de toute façon c'est le jeu. Alors tu pars de ça et tu vas où tu peux, puis si tu sais pas, ben tant mieux. Ah, on n'est pas là pour manger tes frites, nous on n'est pas là pour manger tes frites, on n'est pas là pour manger tes frites, nous on est là en attendant la suite. Je pense que la vie m'a amené à Stafford, hein. Les chemins m'ont amené à Stafford. Et j'ai eu la chance d'arriver dans une ville musicale, hein, et de partager depuis que je suis arrivé ici ma musique. Les rencontres pour moi, ouais, c'est une expérience toute nouvelle de côtoyer autant d'artistes et de me mettre en difficulté, parce que c'est ça le jeu, c'est d'être confronté à des situations laquelle je n'avais pas du tout imaginé ni prévu. Les difficultés du stage, il y en a. Je pense que le temps, c'est une chose qu'il ne fallait. Parce qu'il y a ce côté perfectionniste, où on veut donner le mieux de nous-mêmes, faire un beau spectacle de qualité, c'est ça qui compte. Donc il faut trouver ce temps. Après, il faut que les idées, elles arrivent. Donc ce sont des difficultés, et en même temps, on arrive à trouver le partenaire qui était juste de passage et qui vient solutionner la difficulté. Et ouais, c'est ça qui fait la richesse de cette rencontre. Je suis le gars pas d'ici, du coup tout chez lui, le gars qui chante sous la pluie, la 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 dorée. Je suis le gars de là-bas, du coup jamais chez moi, le gars qui chante quand il a froid, sors, sors, rémi, ré. L'empreinte de Cabrel, elle est un petit peu partout. Enfin, c'est la petite goutte d'eau qui a fait que j'ai pris ce temps-là, qui est quand même un temps assez long sur mon quotidien pour venir là. Moi, je suis un peu fan, hein. Enfin, fan de la partie auteur-compositeur et tout ça. C'est quelqu'un que je respecte énormément, en tout cas. Et bah, déjà, le fait d'être dans son école, bah, moi, j'y pense tous les jours. Je me dis, je l'imagine là, en culotte courte, en train de fredonner Petite Marie en courant dans la cour. Et le soir, quand il est là au fond, en plus il dit rien, il est un peu solennel comme ça, c'est un peu flippant. Mais mine de rien, c'est lui qui a créé tout ça, c'est lui qui nous réunit. Je pense que ça explique le fait qu'il ait fait des si belles chansons, parce que même dans ses écritures solitaires, il est tourné vers l'autre. Il est généreux dans ses chansons, il est généreux de faire ça ici, il est généreux pour plein d'autres choses. Et la générosité, on la retrouve, nous, dans tout ce qu'on fait ici, les uns avec les autres, avec les intervenants. Voilà. Les copains sont partis, avoir des gosses puis des maîtresses. Ils m'invitent le week-end, mais je fais comme si j'avais business. Ils me croient à Moscou, ils me croient à Capri. Mais je leur dis pas tout, c'est train, je les ai pas pris. Je suis toujours à Paris. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Je joue du piano, la fenêtre ouverte. Je vois les gens d'en bas qui lèvent parfois la tête. Ils sourient, ça me suffit. J'aurais pu voir Moscou, j'aurais pu voir Capri. Mais c'est qu'on a besoin de moi. On a besoin de moi, ici. D'abord. D'abord. Et alors? Et alors? Et alors? Francis Cabrel, en fait, il est très impliqué sur le projet. Il vient au moins 2-3 fois par jour pour être présent, disponible.
Il intervient très peu en tant qu'intervenant, ça lui est arrivé. On l'a vu également dire, bah, si vous avez beaucoup de questions, je viens là, on prend 2 heures, on discute. Mais après, il y a tout un état, le fait de rencontrer Francis Cabrel, qui reste simple, humain, ça change beaucoup de choses auprès des artistes en termes d'ego, d'humilité, d'approche. J'ai l'impression qu'ils se nourrissent également de cette présence-là. Déjà, j'ai eu le droit à une critique de Francis Cabrel, et ça, j'en étais honoré, parce que ça veut dire qu'il a prêté une oreille. Et c'était une critique constructive. Francis Cabrel, il a écouté 2 textes que j'avais écrits pour d'autres gens, un pour Jack et un autre pour Estelle. Et donc, il est venu me faire des retours concernant le propos. Encore une fois, nous, quand on écrit des chansons, c'est l'idée de base, c'est le propos, l'angle, de quoi on va parler. Et on a envie d'être compris, évidemment. Et donc là, j'avais voulu un truc volontairement un peu flou, assez vague, pour que chacun se l'approprie d'une certaine manière. Mais j'avais quand même mon idée derrière la tête de quoi moi je parlais. Mais voilà, il m'a proposé d'éclaircir un peu, de rajouter un couplet, chose qui était tout à fait juste. Donc bah voilà, je vais le faire après là. Maman ? Maman, on avait dit que tu t'en mêlerais jamais. Laisse-moi tranquille ici, tu vois bien que je parlais. Ça te regarde pas, mes petits oisillons, c'est juste entre eux et moi, mes jolis papillons. S'il te plaît, sors d'ici, maman. Laisse-moi seul encore un moment. Laisse-moi me raconter, laisse-moi me digérer. Laisse-moi continuer normalement. Je voudrais m'envoler avec mes oiselets. Je voudrais m'élever, pas trop rafistoler. Toucher 2 doigts le firmament. Laisse-moi seul encore un moment. Je vais fermer les yeux et compter dans ma tête 3 secondes d'adieu et tu vas disparaître. Merci de me laisser un instant. 1, 2, 3. Madame Tiboulyakov, vous êtes revenue. Comment ? Oui, peut-être qu'on va se voir un petit peu plus qu'une fois par mois, oui. La semaine prochaine ? Non, demain. Bon, bah, très bien. À demain. Il a fallu un moment pour prendre ses marques le premier jour, quand même, parce que je suis quand même particulièrement timide, on va dire. Mais tout le monde est très bienveillant. Et je pense que tout le monde est ici pour aller vers les autres et pour se mélanger, pour tenter des choses et pour se mettre en danger et prendre des risques. Et donc on est un peu tous sur une espèce de base fragile, donc du coup ça met à l'aise tout le monde. J'ai essayé de me forcer à mettre mes habitudes de côté et à m'autoriser tout et essayer de tout ouvrir en grand. Et je commence déjà à me projeter sur après. J'ai négligé énormément la mélodie. Je vais essayer d'un peu plus y penser au moment de l'écriture. Je vois plein d'autres manières de faire et ça fait du bien. J'arrive pas à caler des mots sur ce ta-na-na-na-na, ouais, qui ne fasse pas cucu la praline. Donc, en gros, c'est soit on vire le pa-da-ba-da-pap, soit on part du pa-da-da-da-pap et on fait un truc complètement différent au niveau du texte. Et moi, je vais me foutre dans une piole et puis je planche. Sol, ré mineur. Ouais, et après c'est la mineur. Sol, Fa, Mi majeur, tout simplement. Vas-y. Genre si on te tourne comme ça, ça peut être bien. Alors quoi, on annule tout, on chiale et on en reste là. On prend notre trip à notre cou, on dit merci et on s'en va. On plante le truc en plein milieu avec tout ce qu'on a mis dedans et on se lamente dans les yeux, la bouche en croix, le choix. Ballant, alors quoi, on n'a pas le cran, on n'a plus le cœur accroché. On a voulu jouer les grands, alors qu'on est rien que des morts-nés. On se dégonfle et on se rend à l'éternité. On abandonne juste avant d'avoir commencé. On prend les mêmes, on recommence. On reprend les fils du bon bout. On s'autorise l'insolence de contrer le contre-coup. Je sais pas combien il nous reste, mais on est bel et bien vivant. On va tenter la vie en grand.
pour la beauté du geste. Puis je me suis aperçu que tous ces artistes arrivaient avec quand même des voix qui avaient été faussées dans le temps. Un artiste, il écrit des chansons, puis il est un peu inspiré par tel artiste, et puis quelques années après, c'est un autre, puis un autre. Et il finit par finalement avoir un peu perdu sa propre voix au départ. Il a rajouté des effets dans la voix, il a une voix un peu plus rock ou des choses comme ça, en fait. Bon. Et donc j'ai effectivement peu à peu élaboré un programme qui est assez court finalement par candidat, ça peut durer une dizaine de minutes, où je leur fais redécouvrir ce qu'était leur voix de base. On voit tous les artistes qui ont duré, ce sont des artistes qui ont une véritable authenticité vocale, on l'entend dans leur voix parler et la voix chantée. Bon, ici on est bien servi, on a un artiste très connu, Francis, qui quand il parle et quand il chante, c'est absolument le même bonhomme. Après, les artistes qui ont modifié leur voix, il y a un moment où ça peut devenir compliqué. C'est pas de revenir sur la voix identitaire, c'est en prendre conscience. C'est savoir que si on s'éloigne, il faut garder la distance et faire attention de ne pas aller plus loin parce que ça va être dangereux. C'est un peu comme si tu montais le mur de ta maison, au fur et à mesure de ta vie, tu le montes avec des ingrédients, des matériaux différents. Il y a des chances que ça se fende de partout, que ça craque, que ça tienne pas. Voilà. Ben la voix, c'est un peu pareil. Avec Christian, on était vraiment sur le collectif pour échauffer la voix. Et puis, je pense que lui, ça lui a permis aussi peut-être de cibler un peu les différentes voix, les différentes personnalités. Et puis après, on est passé un par un. En fait, ce qui était intéressant, c'était à la fois d'écouter les autres et essayer de repérer un peu ce qu'était l'identité de leur voix. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup de chanteurs qui avaient du mal à se contenir et qui envoyaient beaucoup de volume. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que on a chacun nos problématiques et... Et ça me permet aussi de prendre exemple un peu sur eux et peut-être inversement. Christian, il a su vraiment repérer rapidement les failles et trouver des moyens, on va dire, ludiques et qui fonctionnent pour résoudre, entre guillemets, les problèmes ou en tout cas pour essayer d'aller voir un peu ailleurs, quoi. Moi, c'est pour projeter ma voix, pour avoir une voix un peu plus puissante. Le texte va être lu fort et la chanson doucement. Le texte... Un jour, à la télévision, j'ai entendu parler d'un village chanson. Qui avait... Ta gorge est comme un gastros, fais appel à une mutuelle communale. Chanson. Où j'aimerais plonger. Texte. Explique-t-il à ce vendredi d'avril, jour de marché. Voilà. Et là, je me suis dit, chanson. Purée. Un million de jolis texte. Mots, c'est bien. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Chanson. Présenté. Et me baigner parmi des millions. Ok, c'était juste ce que vous avez vu, la puissance de la chanson. Elle se met en place comme ça. Ça marche. Une chanson, déjà, c'est résumé. Soit un sentiment, soit une situation, soit une humeur, quel que soit le thème, il faut être concis. Et une chanson, ça part du premier mot, extrêmement important, jusqu'au dernier, extrêmement important. Donc il n'y a pas d'espace, étant donné que c'est très court, tu n'as pas le temps de te perdre dans quelque chose qui est à peu près ce que tu voulais dire. Non, non, non. Tout doit être exactement ce que tu voulais dire. Je vais reprendre une formule de Maxime Le Forestier qui a dit que les bonnes chansons, ça dépend des circonstances. Des chansons à boire, comme certains en écrivent, elles sont bonnes, puisque tout le monde se lève à la fin d'un repas, tu es à moitié bourré, tu fais tourner les serviettes, tu ne vas pas chanter à ce moment-là. C'est une maison bleue, tu vois, ni l'encre de tes yeux. Donc, chaque chanson, si tu veux, a son but. Et si elle l'atteint, c'est une bonne chanson.
tu penses et va pas passer en moi. Ça fait 25 ans que je suis les Rencontres d'Astafor. Il y a une sorte de magie de certains groupes qui s'entendent très bien et qui vont créer beaucoup de chansons. Ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'ils rentrent, chacun a sa carrière, a ses propres chansons, mais lorsqu'ils rentrent, la règle, c'est de ne travailler que sur des nouvelles chansons, c'est-à-dire d'apprendre à travailler pour d'autres et avec d'autres. Et là, ça a été très compliqué parce que c'était une très bonne session. Avec beaucoup de bonnes chansons. Normalement, sur 30, on devait en choisir 15, et puis finalement, on a dû en garder 18, parce que après, c'était trop compliqué, trop difficile, le choix. Lorsqu'on sélectionne les candidats et lorsqu'après, on sélectionne les chansons, on fait attention au texte. Voilà. Ça fait partie des critères importants. Après, il y a d'autres critères. Il faut aussi que ça fasse un beau spectacle. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on peut privilégier quand même le texte, on le fait. Vous avez vu que la décision, enfin la sélection a été très compliquée, ça a duré longtemps. Exceptionnellement, au lieu de 15 chansons, on a sélectionné 18 chansons. Ouais, énorme entre l'arrivée des stagiaires et le milieu du stage et même la fin, c'est-à-dire le concert. C'est évident que quand on met 15 personnes qui se sont jamais vues le premier soir ensemble, ça va être dur quoi. On se regarde, on quittait, tu viens d'où, tu fais quoi. Il y a encore des égos qui débordent un petit peu par-ci par-là, donc on sent qu'il y a des jeux d'épaule un peu pour passer devant ou pour se faire une place. Mais tout ça se démolit très très vite parce qu'ici, il y a une magie particulière. Dans la campagne de Francis Cabrel, et il y a cette espèce de plénitude, de calme, de sérénité. Et tout le monde se dit, mettons-nous au travail. Et donc le premier jour, c'était un peu timide, un peu tendu. Et puis le deuxième jour, ça explose. Et le troisième, c'est parti. Enfin voilà quoi. C'est très très magique. C'est un super exemple que tu dises, j'ai eu envie de me lever, mais je veux pas. Ben ouais. Et en plus, tu le justifies par le mot peur. J'ai eu peur de... Pour toi qui montes sur scène, t'as pas d'autres questions à te poser que te dire « Ton corps a toujours raison, si t'as envie de te lever, lève-toi. » Même si ton metteur en scène t'a dit « Reste bien assis, c'est magique et tout. » Ouais, mais moi là, dans mon ventre, je me sens comme ça. Réponds à ça, parce que nous, dans nos ventres, on le sent. Et si tu vas pas au bout, c'est horrible. Le pire ennemi de l'interprète, c'est le cerveau. Voilà, moi j'ai fini pour cette chanson. Si ça te va, moi ça me va, je trouve ça super. J'ai rien d'autre à te dire en tout cas. Moi. Merci, ça va me servir. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimeras? Pour te plaire, j'ai bâti des tas de barrières. Pourquoi faire de se tourner le masque à l'envers? Pourquoi faire, pourquoi faire? Découvert. J'aimerais tant que tu m'aimes. Moi, ma mission, c'est qu'on me donne un nombre de chansons et il faut que j'en fasse un concert. Ce qui est important dans les rencontres, c'est la création, mais dans mon esprit, la vitrine, donc ce concert a été aussi important. Là, je vais chercher le fond de la chanson. C'est-à-dire, en fait, souvent l'artiste, il reste dans sa position d'auteur. L'auteur, il a une émotion qui est retranscrite sur le papier. Ça part du ventre, ça va à la tête et ça arrive sur un papier. Ça, c'est le boulot de l'auteur.
Le boulot de l'interprète, et là c'est compliqué parce qu'ils sont auteurs et compositeurs pendant toute la semaine. Le boulot de l'interprète, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le papier, comprendre quelle est l'émotion à transmettre et la transmettre. Quand je travaille avec les gens, c'est justement retrouver quelle est l'émotion à transmettre, parce que ce qui déclenche l'écriture, c'est souvent un truc. Et une fois que tu as défini ton émotion, peu importe comment tu la racontes, au moins tu montes sur scène en sachant ce que tu vas raconter. Je m'approche doucement du petit préfabriqué de son terrain très vague et m'apprête à frapper à la porte. Bonjour Madame Tiboulyakov. Oui, ça va bien, je vous remercie. Et vous-même? Non, ça s'est pas vraiment amélioré, non. J'ai toujours du mal à faire la différence entre mes rêves et le monde réel. Même là, je ne sais pas si... L'idée qu'on a définie, c'est que lui, il est en place. Il y a les applaudissements, les machins, et tu le dégages et on enchaîne. Hein. C'était ça qu'on avait dit. Je viens de là, moi, alors? Ouais, toi, tu viens de là-bas, tout le monde vient de là. Donc, fin du titre. Applause, peut-être... Moi, je dis que les applauses, prends les pas en tant que Ben. Reste, ah bah, reste je... voilà. On reste dans le... Et toi, sur les applauses, tu viens, en fait. On fait ça, donc hein, on est sur la fin du titre. Bravo! Là, t'arrives dans ton personnage. On fait la fin? Non, pas besoin, on s'en fout, on décide comme ça. Et ça? Ben, ce matin, c'était les premières répétitions dans la salle. Donc... Et avec donc, les balances, on a un peu réglé les différents instruments et les voix. Puis on a commencé un petit peu à se représenter l'espace, les déplacements, les enchaînements avec la setlist. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer à répéter, mais avec tout ça en tête. Écrire une chanson par jour, au début, c'était un peu une pression pour moi, parce qu'alors, c'est vraiment radicalement différent de ce que je fais chez moi. Chez moi, j'ai toujours peur de la petite bête, du truc qui fonctionne pas. Je passe des jours, des mois à peaufiner un titre. Et là, je dirais que je pense aussi que mes collègues sont sans doute peut-être un peu dans le même état. C'est-à-dire que finalement, l'émulation et le fait aussi de se dire, bah oui, on crée à plusieurs, on a peut-être des repères qui sont différents. On laisse plus de part à la découverte, c'est-à-dire d'habitude, on écrit, on compose, on interprète. Et là, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, ça apporte des fois des idées qui sont différentes. Et du coup, là, je trouve que je me suis un peu dégagée de cette pression aujourd'hui. Ouais. Et même le matin, quand je me lève, je me dis « Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» L'écueil de cette chanson, c'est que ce soit battu et tristoun. Donc même dans votre intention de notes, etc., c'est, ouais, c'est un truc serein quand même, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. On était un tout petit peu plus long que d'habitude et du coup, bon, ouais, ça, ouais. Tu vois, ouais. ça aide tant. Mais toi, il y a vraiment une ouverture, enfin, tu vois, je te demande pas de sourire, mais dans ton cœur, de... c'est un joli souvenir. C'est ça que tu nous racontes, c'est un joli souvenir. Faut pas le perdre de vue parce que sinon, ça nous. D'accord? C'est juste dans l'intention. D'accord. Si t'es rempli de ça, ça suffira en fait. C'est toi, petite, dans la marée. À compter jusqu'à 8 pour grimper au ciel. Je la vois et ses bras sont des oiseaux qui couvent, qui enchantent pour moi. La dame en rouge. Ça a été l'automne, ses feuilles. Pour juste glisser sa main dans celle de la dame en rouge, dans celle de la dame en rouge. Il y a un petit changement de cette liste. On intervertit Kéran. La dame en rouge. Ouais. Si j'aurais su. C'est-à-dire qu'il y aura Kéran, puis votre chanson à tous les deux. Ça fait une petite vignette. Et après, si j'aurais su, et on repart. Merci beaucoup pour cette journée qui était fatigante. Voilà, vous avez assuré. Moi, j'étais ravi de cette journée avec vous. C'est top. Et demain, 9h ici. Le plus beau souvenir, c'est le duo avec Vanessa. On a écrit à deux, c'est elle qui composait. Et c'est pas mon univers, mais c'était pas non plus le sien. On a vraiment tenté quelque chose un peu de nouveau et
Ça a été juste du plaisir en permanence. Je ne sais pas encore comment cette expérience va changer ma façon de travailler, mais c'est sûr que ça va changer ma façon de travailler. Parce qu'on a touché à plein d'univers. Enfin, c'est comme si je venais de me farcir à la discothèque de 12 personnes différentes. En fait. Tout le monde amène son univers, son ambiance. Et donc forcément, je ne vais pas repartir avec tout, mais je repars avec des bouts de tout ça. Depuis le début, je me dis en fait, faire un album, ça ne devrait pas prendre 2 ans. On devrait prendre une bande de copains, s'enfermer pendant 10 jours et faire 35 chansons et trouver la chanson qui, les 10 chansons qui vont bien et rouler jeunesse, on fait un album. Après, le truc était en l'air, même au niveau ouais, de l'instru, on le faisait sec, en fait. Tout le monde m'a, mais qui s'aime vraiment. Ah oui, pour la fin. Ouais, la fin. Ah oui, alors on cut, d'accord. Ouais. Mais imaginons qu'on est au premier refrain et qu'on doit aller sur le deuxième couplet. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais qui s'aime vraiment, tout le monde m'a. Mais qui s'aime vraiment, tout le monde m'a. Mais qui s'aime vraiment, tout le monde m'a. Mais qui s'aime vraiment. Je dirais pas le mec qui s'aime vraiment. Ah oui, tout le monde ment. Cette nuit, tu gémiras, comme elle l'a fait hier avant que je ne vienne. Retrouver notre confort, l'assurance de la maison. Ta confiance aveugle ignore les trahisons. Pourvu que le doute s'abstienne. Pourvu que le doute s'abstienne. Cette nuit, tu gémiras. Si l'un est ta place ancrée entre mes jambes. Comme le printemps revient, tu resteras en moi. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a juste là. Toi, pour moi une évidence. Toi, pour moi une évidence. Tout le monde m'a, mais qui s'aime vraiment. Tout le monde m'a, mais qui s'aime vraiment. Tout le monde m'a, mais qui s'aime vraiment. Tout le monde m'a. Vous avez passé une grosse semaine de travail. Vous avez répété, vous avez vu les détails, machin. Restez concentrés là-dessus. Ne vous laissez pas emporter sur le fait, tiens, je rajoute un couplet, enfin un plan comme ça, bien évidemment. Ça, essayez d'être carré parce que il y a toute une équipe qui joue derrière vous et bon, il faut rester concentré sur le fait de ne pas s'éparpiller. On va juste faire un truc simple. 3, 4. Non, vous faites un peu. Là, c'est...